5 juillet 1946. En cette belle journée estivale, on assiste à l'élection de la plus jolie baigneuse de Paris. Ces girls de Music Hall exécutent leur numéro à la piscine Molitor. Ah, oui. Et si vous voyez arriver la gracieuse Paulette Dubost, c'est qu'elle va faire partie d'un jury où siègent également Andrex et Madeleine Sologne pour choisir la plus jolie baigneuse de Paris. Ce jugement de Paris n'a rien... Quel beau souvenir. Un abrégé qui s'appelle Bikini, maillot atomique. Et voici notre lauréate... On ne s'attendait pas du tout à ça. Tout le monde était, comme on dit, sur le cul. Alors, ça a fait vraiment une révolution. Et question révolution, les Français en connaissent un rayon. Cette fois, elle n'a pas pour théâtre la Bastille, mais les piscines. Absolument. C'est une révolution par rapport à l'idée de nudité du corps. Le corps qui a été un des grands tabous de la culture européenne, que l'on a caché pendant des siècles. Et immédiatement, ça a été un tollé général en France comme dans tous les pays d'Europe, parce que c'était un indécent aux yeux de la morale ambiante qu'une femme se dénude autant sur les plages. Le costume de bain au 19e siècle est très couvrant. Il cache plus qu'il ne révèle. Il est parfois composé jusqu'à 5 mètres de tissu, ce qui laisse songeur. Les tout premiers maillots de bain du 19e siècle étaient conçus comme des vêtements de ville, en lainage très lourd. Ils étaient portés avec des formes de crinoline, avec des bas de soie, avec des chaussures, avec des chapeaux. On allait se baigner complètement habillé au fond. Lorsque le maillot de bain commence à s'alléger, mais il est encore très couvrant, on parle de cette idée de protéger la pudeur des femmes. Et alors pour cela, on a des voitures à chevaux qui amènent les femmes un peu loin de la plage, dans la mer. Elles ont des peignoirs, elles retirent leurs peignoirs et elles descendent dans l'eau par des petits escaliers de ces voitures à chevaux. Et comme ça, elles sont un petit peu protégées du regard des gens qui, sur la plage, ne sont là que pour regarder ces femmes en train de s'habiller. Bien sûr, c'est l'attraction. C'est vraiment un spectacle, au fond.